Alors, je suis Isabelle Coquebelin, cadre des ressources humaines à Archipel Aide et Soins à domicile. Donc, je m'occupe de tout ce qui est salarié, surtout le recrutement. Nous recherchons des personnes surtout motivées, pas forcément diplômées. Après, il peut y avoir un parcours de vie qui fait qu'on peut avoir aussi de l'expérience sans avoir de diplôme. S'il y a des personnes étudiants qui ont un diplôme CAP Petite Enfance, BEP Sanitaire et Social, titre d'assistant de vie, ils sont les bienvenus. Mais ceux qui n'en ont pas sont également les bienvenus. Il est mieux d'être véhiculé, d'avoir le permis, mais bon, on intervient beaucoup sur Brest, donc il y a possibilité aussi d'intervenir en bus ou en tram. Nous recherchons des gens disponibles, des personnes disponibles, avec peut-être des horaires atypiques en ce qui concerne les gardes d'enfants. On peut commencer très tôt le matin, voire terminer très tard le soir. On recherche des personnes pour les week-ends. On recherche également pour les vacances scolaires. Donc surtout Pâques, à partir de Pâques. Et après, ça peut continuer jusqu'à septembre. Ils peuvent venir déposer leur CV, lettre de motivation à Archipel et des soins à domicile aux 3 rue Jules Ferry. Ou alors les envoyer par mail à 2asd@union-du6archipel.org ou me les envoyer à moi directement à isabelle.coquebelin, C-O-Q-U-E-B-L-I-N, @union-du6archipel.org, en spécifiant quand même qu'ils viennent du Bige. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une idée d'où viennent les candidats.